Bible, le book of Joshua. Nous voyons bien dans le livre de Josué. If we are there, can I hear a lot of men? Dites amen si vous y êtes. Joshua chapter 1 verse 8. Le verset 8 de Josué chapitre 1. Tell the neighbor. Dis à ton voisin, voisin. Can I see your Bible? Reach for the Bible. Say never leave from your Bible, never leave. Voisin, soulève ta Bible. Never leave from your Bible. Voisin, soulève ta Bible. Leave from your Bible now, be happy. Soulève bien ta Bible, sois content. Some people are still living from their own Bible. Certaines personnes sont. Be happy, leave from your Bible. Soyez content, soulève bien votre Bible. Some neighbors are still looking for their Bible. Look for your Bible, look for your Bible. Certains voisins regardent encore les Bibles, cherchent encore les Bibles. Clap for Jesus Christ. Clapping for Jesus. So make sure that when you're coming next time, you go with your Bible. Amen. Without Bible, there's no life. There never without Bible. No Bible, no life. Pas de Bible, pas de vie. No Bible, no lie. Pas de Bible, pas de vie. No word of God, no lie. Pas de parole de Dieu, pas de vie. Amen. Amen. Joshua chapter 1, verse 8. Josué 1, verset 8. I read it to you. Joshua chapter 1, verse 8. Study this book of instruction continually. Underline the word continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. I read it again to you. Joshua chapter 1 verse 8. Study. Are we there? Joshua chapter 1 verse 8. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Amen. Amen. Josué chapitre 1 verset 8 est écrit: que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Only then will what happen? Ainsi tu feras quoi? Oh, God is clear. Dieu est clair. Has God hidden anything from us? Est-ce que Dieu nous a caché quelque chose? I want you to talk with me. Only then will what happen? Qu'est-ce qui se produira après? After reading the word of God continually, day meditating on it, night meditating on it, after this procedure, after doing these things like this, only after this thing will what happen? Après avoir médité la parole de Dieu jour et nuit, qu'est-ce qui se produira? Will what happen? Qu'est-ce qui se produira? Only then will you make your way prosperous. C'est ainsi qu'après tu réussiras dans toutes les entreprises. That means when you are reading the word of God. Ça veut dire que lorsque tu lis la parole de Dieu. And meditating on it. Et tu médites sur cela. Can we say you are, as you are doing like that, you are counting your money. Are you understanding something? Est-ce que quand tu le fais, tu comptes ton argent? Are you understanding it? Est-ce que vous comprenez? Whether you are reading which part of the word of God. Quelle soit le, la partie de la parole de Dieu. Quand tu la lis, you begin to see a spirit being. Tu commences à voir une étage. As you are reading it, quand tu la lis, you begin to see good health. Tu commences à voir la partie. As you are reading it, quand tu la lis, you begin to see higher spiritual life. Tu commences à voir une vision. As you are reading it, quand tu la lis, what can you see now? Qu'est-ce que tu peux voir maintenant? Read this book day and night after reading. Lis ce livre jour et nuit. After reading now, après la lecture, what should happen? Qu'est-ce qui doit se produire? Listen. Écoutez. Read this word of God. Lisez cette parole de Dieu. After reading it,
Après l'avoir dit. What should be the next thing? Qu'est-ce qui doit suivre? This is where error comes in believer life. Et c'est là où il y a des erreurs dans la vie. You have read the word of God. Vous avez lu la parole de Dieu. After reading it. Après l'avoir lu. How effective can this word be to you? Combien est-elle effective pour toi? How useful can this word be to you? Combien est-elle utile pour toi cette parole? The word of God. La parole de Dieu. Can only bear fruit. Ne peut que porter du fruit. And be useful to you. Et d'être utile. When it is meditated upon and spoken. Lorsque tu as bien médité et déclaré. Meditating on the word of God. Méditer la parole de Dieu. Means what? Ça veut dire quoi? It means manifesting in what God has said. Ça veut dire manifester dans ce que Dieu a dit. Sending for the word at work. Envoyer la parole à Dieu. Am I talking to somebody? Quelqu'un m'entend-il? Meditation. La méditation. Is the aliveness part of the word of God. C'est la vivacité, la partie vivacité de la parole de Dieu. What? Oh, listen. What does not meditate? Are you understanding? Est-ce que vous comprenez? Tell me whatever. Dis voisin. What in the book does not meditate? Ça ne médite pas. The words are there to be read. Parce que les paroles sont là pour être lues. After they are read. Après qu'elles soient lues. There is another stage. Il y a une autre étape. The stage of meditating now. L'étape de la méditation. So the word does not meditate. Donc les paroles ne méditent pas. It is the consumer that carry out meditation. C'est celui qui porte la méditation. What is meditation? Qu'est-ce que c'est que la méditation? Meditation is a spiritual event manifesting upon what you heard or read. C'est un événement spirituel manifesté sur ce que vous avez lu et entendu. Is someone understanding me? Quelqu'un m'entend-il? Man, when you are meditating, it is awakening your spirit, awakening your soul, awakening your entire life to key into what you read and become it. Lorsque tu médites, ça éveille ton âme, ton esprit et ça te connecte à ce que tu as lu et ce que tu as là. Meditation is establishing what God has given us in the Bible into our spirit. Meditation establishes the word of God in our spirit. La méditation établit la parole de Dieu dans notre esprit. Meditation makes the word of God be so used highly in our spirit. Alors ça fait que la parole de Dieu devient tellement utile dans notre esprit. Meditation makes us friendly with what God has said. Alors ça rend à ce que notre esprit devient amical avec ce que Dieu a dit. Meditation. La méditation. Makes our spirit to be in one communion. Rend notre esprit en communion. With what God has said. Avec ce que Dieu a dit. What is meditation? Qu'est-ce que c'est que la méditation? Hearing what God has said. Écoutez ce que Dieu a dit. Talking what God has said. Déclarer ce que Dieu a dit. Reading what God has said. Dans ce que Dieu a dit. Talking what God has said. Marcher dans ce que Dieu a dit. Doing what God has said. Pratiquer ce que Dieu a dit. It is the whole process of meditation. C'est tout un processus de la méditation. Accepting it at the same time. Et l'accepter au même moment. If I'm talking to you, can I hear loud amen? Si je parle, dis amen. And when you carry out meditation successfully. Lorsque tu médites avec succès, you become what God has said and you become more and more godly. Tu deviens ce que Dieu a dit et tu deviens de plus en plus pieux. A man or woman, un homme ou une femme, on earth that meditates on the word of God. Sur la terre qui médite la parole de Dieu. You will never be worldly. Tu ne seras jamais mondain. No. Non. Can somebody understand me? Quelqu'un m'entend-il? Most of you that read the Bible, you meditate on it. Plusieurs d'entre vous qui lisent la Bible, vous méditez sur cela. There's a kind of divine environment you find yourself. Il y a un environnement divin dans lequel you live. You live in a kind of divine presence. Vous vivez dans une présence divine. Certain things that you hated to do, you will never do them. Alors les choses que vous haïssez, vous ne les ferez pas. Even those you love to do which are not according to God. Même celles que vous aimiez qui n'étaient pas selon la volonté. And then even the activities that you were doing. Which God does not like. Même les activités qu'on pratiquait qui. When you meditate on the word of God. Lorsque vous méditez la parole de Dieu. Meditate on it. Vous méditez sur cela. And you are located in the divine environment of God. Et vous êtes localisé dans un environnement divin de Dieu. You will see that you hate those very things you love to do with all your heart. Alors vous verrez que vous allez haïr ces choses qui ne sont pas bien de tout votre cœur. There will never be a portion.
elles seront jamais au courant. You'll never come around them. Vous ne viendrez jamais au courant. You don't even want to hear those kind of things. Vous ne voudriez même pas entendre ce genre de choses. Meditation is hearing God's voice loud through His word. La méditation, c'est écouter, c'est entendre la voix de Dieu à haute voix travers sa parole. And when you keep on hearing God's voice loud through His word, lorsque vous continuez à entendre la parole de Dieu à haute voix travers sa parole, the voice of Satan must be completely diminished in your life. La voix de Satan va complètement diminuer dans votre vie. There are certain things you do because of satanic ministration. Il y a des choses que vous faites à cause de l'administration satanique. Listen now. Écoutez. There are certain things you do because of what? Il y a des choses que vous faites à cause de quoi? Satanic ministration. L'administration satanique. So when Satan ministers, lorsque Satan va ministrer, before you can go into action, avant que vous ayez l'action, and remember, et souvenez-vous, every activity going on in your life, toute activité qui se passe dans votre vie, Satan has been assigned, Satan a été envoyé, to come and intervene there, pour venir intervenir là-bas. That is his assignment. Voilà son devoir. That is his ways. Ce sont ses voies. Et on attend de lui. Est-ce que vous comprenez? As anything that is going on around you, tout ce qui se passe autour de toi, remember, souviens-toi, Satan must come there. Satan doit venir là-bas. If you are quarreling, si tu te querelles, Satan must come there. Satan doit venir. If you are angry, si tu es en colère, Satan must come there. Satan doit venir. If you are worried, si tu es Satan must perturbé, come there. Satan viendra. If you are traumatized, si tu es traumatisé, Satan must come there. Satan viendra. To drop a decision, pour déposer une décision. Imagine that you are angry. Imagine que tu es en colère. You go back to what God has said. Tu vas ce que Dieu a dit. Start meditating on it. Tu commences à méditer sur cela. You want to see. Et tu veux voir subitement. Anger has disappeared like a twinkle of an eye. La colère disparaît comme un clin d'œil. Your face, but let me see your hand. Si tu as une situation, lève la main. Right now, Senor. Lève bien ta main. Okay. Okay. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? This is what happened. Voici ce qui s'est passé. You started talking God's voice inside you through His word. Tu as commencé à déclarer la voix de Dieu. The voice of Satan could not bear it. La voix de Satan ne pouvait pas supporter cela. You could not bear it. Elle ne pouvait pas supporter cela. And you are angry until you take wrong decisions. Si tu es en colère ou pas, tu peux pas dire mauvaise décision. Just know that you have not repented yet. Sache que tu t'es pas encore repenti. Écoute bien. And you are angry until you take wrong decision that affects somebody. Si tu es en colère au point de prendre une mauvaise décision, sache que tu n'es pas encore repenti. At a given time, God's word must speak. À un moment donné, la parole de Dieu doit parler. God's word must do what? La parole de Dieu fait quoi? First time. Première fois. What has God said? Qu'est-ce que Dieu a dit? Second time. Deuxième fois. What has God said? Qu'est-ce que Dieu a dit? Third time. Troisième fois. What has God said? Qu'est-ce que Dieu a dit? But if the thing would disturb your service to God, put the thing aside. Si la chose va perturber ton service envers Dieu, mets cela de côté. You what? Fais quoi? Put the thing aside. Tu mets la chose de côté. And God take care of the rest. Et Dieu prendra soin du reste. But don't be angry. Mais ne sois pas en colère. Don't be offended. Ne sois pas offensé. Anything that will take you away from the service to God, put that thing aside and you move forward. Mets de côté tout ce qui va t'occuper du service de Dieu et tu avances. You do what? Tu fais quoi? You move forward. Tu avances. Don't compromise with your salvation. Ne compromets pas avec ton salut. If it's that, let me every morning. You are worrying about food. Worrying. Okay. Avoid the situation. Laissez la situation. Do what? Fais-toi. Avoid the situation. Évite la situation. Make another way around the whole thing. Alors c'est un moyen autour de la chose. Let the environment not be the one of God, but the one of understanding. Que l'environnement soit pas celle de querelle, mais de la compréhension. Not only husband and wife. Pas seulement les deux. In every area of your life. Dans tous les domaines de votre vie. Don't end up in the decision of Satan. Ne finissez pas dans la décision de Satan. Always allow God to say the last thing. Permettez que Dieu ait toujours le dernier mot. Amen. Amen. Clap for Lord Jesus Christ. Acclamez Christ Jésus Christ. Clap for Jesus again. Acclamez la copie de Jésus. To meditate. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne, nous l'ordonne de méditer? Meditation on God's word, la méditation sur la parole de Dieu, is a heart
a mind transformation activity. C'est une activité qui transforme le cœur et la pensée. Dis voisin. Meditation on the word of God. La méditation sur la parole de Dieu. Is the heart and mind transformation activity. C'est une activité qui transforme la pensée et le cœur. Taking out of worldly thinking and ideas. Ce qui nous ont des idées mondaines. Into divine environment of God. Dans l'environnement divin de Dieu. And godliness in our ideas. Et la piété dans nos idées. Whether you are walking, que tu travailles, whatever, qu'importe, whatever you are doing, qu'importe ce que tu fais, please, s'il te plaît, they should never deprive you from reading the word of God and talking on it. Que cela t'empêche jamais de lire la parole de Dieu et déclarer ce que là. Satan knows. Satan sait. That's why you are continuously using the word of God. Lorsque tu continues à utiliser la parole de Dieu. He is finished. Il est fini. And he cannot do anything in your life. Il ne peut rien faire dans ta vie. So Satan can also promote people. Donc Satan peut aussi éduquer des gens. Disconnect you from certain places. Il te déconnecte certains endroits. Place you where you know you used to well. Il te place là où c'est qu'il va bien t'utiliser. Some people coming here today have suffered. Certains vont les bénir sur lui en souffert. Adore. En souffert. Suffered. Some people have faced the highest persecution before they even sit here today like this. Certains ont eu la plus grande persécution avant de s'asseoir ici aujourd'hui. Why? Pourquoi? Satan does not want you to come here because when you will come, you certainly have an encounter with God. Satan ne veut pas que tu viennes ici parce que lorsque tu viendras, tu auras certainement une rencontre avec Dieu. Then, no, they can try. Dieu ton voisin, ils peuvent essayer. Ah, they can try. Ils peuvent essayer. Ah, maintenant que tu vas essayer, they can try. Ils peuvent essayer. But they cannot stop it. Mais ils ne peuvent pas stopper cela. La Bible dit qu'ils vont certainement se rassembler. But they that gather not in the name of the Lord. Ceux qui se rassemblent dans le nom du Seigneur. They are gathering in vain. Ils se rassemblent en vain. Every mind, toute pensée, and heart, et cœur, is the target of Satan. C'est la cible de Satan. He want to talk in your heart. Il veut parler dans ton cœur. In your heart, dans ton cœur. I want to read something to you. Open your Bible to the book of Isaiah. Ouvrez votre Bible dans le livre d'Isaïe. Let me tell you how Satan do in your heart. Que je vous dise comment Satan fait dans le cœur. Are we there? Isaiah chapter 29. Isaïe 29. Verse 13. Verset 13. And so the Lord says, these people say they are mine. They honor me with their lips, but their hearts are far from me. And their worship of me is nothing but man-made rules learned from Rome. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore la bouche et les lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Are you seeing? Est-ce que vous voyez? It's not to identify yourself physically that you are a believer. C'est pas le fait de vous identifier physiquement pour être croyant. It's not to identify yourself. C'est pas de vous identifier. Sociable standards. Avec un standard social. It's not to identify yourself. C'est pas le fait de vous identifier. With material standards. Avec un standard matériel. Oh. That is not the way to show that you are a believer. C'est pas ça qui montre que tu es croyant. But. Mais. You are hot. Ton cœur with Jesus Christ. Avec Jésus Christ. Yeah, yeah. See these people pretend to worship me. Ces gens prétendent m'adorer. But their heart is somewhere else. Mais leur cœur est ailleurs. They're just like blah 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 blah. Ils font du blah blah blah. We have talked to many people. On s'est adressé à beaucoup de personnes. Yeah. When you want to talk with the person. Lorsque vous voulez parler à la personne. You say wait, you want to talk with me? Attends, tu veux parler? The word of God. La parole de Dieu. Just hold on. Attends un peu. Go upstairs. Va à l'étage. Come back, come down with the mother of Bible. Rentre, descendez la mère de la Bible. It's like mother of Bible. C'est comme la mère de la Bible. In fact, you need but the caterpillar to lift the Bible. I want to have the carry. Tu as besoin du cerf pour soulever cette Bible. Believe like this.
Elle est grosse comme ça. Come down, put it. Elle descend, elle pose, elle descend comme ça. He will not want to look straight with his eyeglasses, no. On va te regarder droit dans les yeux avec ses lunettes. He will push you down. Il va baisser un peu ça. Young man. Jeune homme. So you want to talk the word of God to me? Don't you parler la parole de Dieu? When were you born? Tu es né quand? Okay, so we can talk. Ok, on peut parler. Talk only the size of the Bible. Juste la taille de la Bible. And the system of look. Et le système de regard. If you are not anointed, don't engage talking with the man. Si tu n'es pas well, ne t'engage pas à parler à cet homme. Because the man will let you know that fornication is correct because you are coming to talk. The man is fornicating, you know. Alcohol, you know. This, you know. This, you know. But look at him. He go and bring big, big Bible. Tu veux lui parler, il prenait et c'est dit prenait et pour lui. So if you are not anointed, donc si tu n'es pas that antichrist will turn your head to Jesus. Va tourner ta tête à sa croyance. Because with the big Bible like that, avec une grosse Bible comme ça, and still committing that kind of sin, et qui commet un gros péché, he shows that he knows the word of God. Avant qu'il connaisse la parole de Dieu, and doesn't want to obey it. Et il ne veut pas l'obéir. Maybe he has turned to his own language. Il a tourné cela à son propre langage. That's how many do. C'est comme ça plusieurs font. And when I'm talking to most of these people that have studied, et lorsque je m'adresse à ceux qui ont étudié, you know what they tell me? Savez-vous ce qu'ils me disent? You know, before the world was created, c'est avant que le monde fut créé, they created the world. On a créé le monde. And the world was created. Et le monde a été créé. Finally, I don't understand. Finalement, je ne comprends rien. You know, this Bible we are reading, c'est cette Bible que nous lisons. It was brought by a white man. Ça a été amené ici par les blancs. The early man was like this. La terre était comme ça. He had stone on this before he came a man. Il a, l'homme est devenu ce serre devenu un homme. Don't sit to listen. N'écoutez pas ce genre. I said, you are not anointed, go you away. Je suis le bas courant, va t'en go. Va t'en no. Sinon, the faith you have, they will touch it for you. La foi que tu as, ils vont toucher ça. I said, if not the faith that you have, they will take it from 100 degrees to zero. Sinon, ils vont ramener votre foi à 100 degrés ou zéro. You hold your Bible. Tu vas tenir ta Bible. You look like this. Tu regardes comme ici. Look it again. Tu regardes encore. C'est la Bible ou bien la Bible. You were holding your Bible, no. Alors que tu avais ta Bible. They start telling you about science, comment la science, comment la création, about natural things, comment, about this, about that. Concernant le naturel, ceci ou cela. When the Lord said, it is difficult for a rich man to go to heaven than for a what? Il est plus difficile. Then what? And it comes to pass in the eye of a. You don't care. God is saying this. Dieu dit ceci. No matter the amount of knowledge. Qu'importe le montant de connaissance. No matter the amount of wealth. Qu'importe le montant. That you have acquired. Les richesses que tu as acquises. What God has said remains the same. C'est yesterday, today. And forever. Ce que j'ai dit, vous pouvez ramener hier ou tout de moi. Oh, there's something God is doing these days. Il y a quelque chose que Dieu fait ces jours. God is taking the unlearned and showing the world that my knowledge is through Holy Spirit. Through what? Dieu prend les illettrés et il montre au monde que ma connaissance est au travers du Saint-Esprit. Somebody came to me, I don't know whether the person in the church came to me, I was saying, I have a call. J'ai un appel. But I don't know me how to read. Mais je ne sais même pas comment lire. I don't know how to talk English. Je ne sais même pas parler bien français. I don't know how to do so. I'm struggling to go to school so that I can start the call. Je veux aller à l'école afin de commencer l'appel. I was first of all irritated, but I said, no, this man needs knowledge. Je suis d'abord irrité, mais si cet homme a besoin de la connaissance. One thing. Une chose. God called you. Dieu t'a appelé. Did he say you should go back to school? Est-ce qu'il a dit que tu vas à l'école? Did he say you should go and know whatever? Est-ce qu'il a dit que tu vas y connaître quoi que ce soit? The Lord said, I will teach my servant. Tell somebody, I will teach my servant. J'ai quelqu'un, je vais enseigner mes serviteurs. I will teach my servant. Je vais enseigner mes serviteurs. Now says the Lord. Est-ce qu'il parle le Seigneur? Est-ce qui se passe aujourd'hui? White man think that he has too much knowledge. Quelqu'un pense qu'il a trop la connaissance. But God is doing a man
fait deux choses. Mais Dieu fait deux choses. Look at what God is up to now. Voilà comment Dieu agit. Almost everything that is nothing, God is taking it from that and making it something. Alors, tout ce qui n'est rien du tout, Dieu prend cela pour faire. Look at Africa. Regardez l'Afrique. They thought it was an abandoned continent. On pensait que c'était un continent abandonné. God is raising men in Africa. Dieu suscite des hommes en Afrique. And they are shaking the whole entire nation of the world. Ils sont en train de parler les nations du monde. I am glad I'm part of it. Je suis fier de cela. Amen. Amen. I'm part of it. Je suis fier de cela. I'm part of that team. Et je suis partisan de cela. Amen. Amen. Clap for Jesus Christ. Amen pour Jésus Christ. Tell the neighbor. Dis voisin. Meditating. On the word of God. Si la parole de Dieu. Is directly talking with God. C'est parler directement avec Dieu. And communing with God. Et être en communion avec Dieu. Amen. Amen. Clap for Jesus Christ. Acclamez pour Jésus Christ. Now. Maintenant. Why did the Lord say? Pourquoi est-ce que le Seigneur dit? Meditate on it day and night, and you make your way prosperous. Méditez jour et nuit, vous allez réussir dans toute l'entreprise. Because when you are talking with God always. Parce que lorsque tu parles toujours avec Dieu, the presence of God is with us. La parole de la présence de Dieu avec nous. And the presence of Satan must be absent. Et la présence de Satan doit être absente. And those very things that Satan was holding. Et ces choses que Satan tenait. For us not to move forward. Pour que nous n'avançons pas. Those very things. Ces mêmes choses. Will be freely given to us. Nous serons donnés gratuitement. We will possess them without any opposition. On va posséder cela sans aucune opposition. And when you possess the things that God has freely given us without. Lorsque nous possédons ce que Dieu nous a donné sans lui, you become a prosperous man. Devenant des hommes prospères. Okay, you're meditating day and night, and your job is at stake. Tu médites jour et nuit et ton travail est menacé. You must go away from your job. Il doit rester ton emploi. That is over. C'est tout. If I'm talking to you, can I hear Lord Amen? Dis Amen si je parle. Can I hear Lord Amen? Dis Amen. Clap for Jesus, clap for Jesus.